Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Léla BFR. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on est sur la map de Thunder DLRP, voilà, son pseudo ici. Donc on est toujours sur PS4 et poteau. Donc alors aujourd'hui, nous allons visiter une map Disneyland Paris. Donc voilà. Donc alors, je vais vous faire la visite et puis c'est parti. Donc c'est dans cette première partie, nous allons visiter Discoveryland, et puis après nous allons visiter le deuxième épisode qui va sortir après. Nous allons visiter Frontierland avec le château. Donc c'est parti. Donc là nous allons visiter le village, le Main Street et puis Discoveryland. Donc voilà, ici nous avons la gare de SNCF, voilà, qui permet d'aller à Disneyland pareil. Donc ici nous avons le village. Nous allons faire vite fait un petit tour, puis hop, nous allons. Donc là-bas c'est où il y a les grands parkings et tout. Donc je vais vous montrer ça, je vais pas vous le montrer. Donc voilà, ici nous avons les studios. Ouais, voilà, fait par un Thunder DLRP et puis son staff, je pense, voilà, de la team Magic. Donc voilà. Donc il a fait les décors d'Halloween. Donc dites-moi en commentaire si à Disneyland Paris ils ont fait les décors d'Halloween aussi. Ce sera sympa. Donc voilà. Hop hop. Donc c'est parti. Donc ouais, voilà. Donc c'est parti. On va aller. Donc ouais, ici c'est les studios mais ils sont fermés. Je vais vous montrer un petit aperçu mais les studios sont fermés. Donc pour rejoindre la map, faut demander Thunder DLRP. Donc voilà. Surtout aussi, il y a Far Off Derbix, voilà, qui a aussi une map Disneyland. Nous avons Axelosk aussi, qui aide beaucoup de gens sur PS4. À développer leur serveur. Donc voilà, donc ici voici ces studios. Donc c'est parti, maintenant nous allons sur la map de Disney, nous enfin nous allons au parc Disneyland Paris. Donc voilà, donc oui, je reprends la chaîne mais maintenant je présente des parcs, je pense que c'est plus cool et ça intéresse beaucoup de gens. Donc c'est parti. Donc ici là c'est où on fouille les personnes et puis hop là on tombe sur l'hôtel de Disneyland Paris à l'entrée, puis après derrière nous aurons le Main Street. Donc voilà. Juste voilà, ici là, nous avons l'hôtel, mais normalement ici là sous les côtés nous avons un petit truc où se réfugier. On va voir ça tout de suite. Donc nous avons un ticket bienvenue au parc parce que je suis déjà y allé beaucoup de fois sur ce serveur que j'aime beaucoup. Donc voilà, pour ceux qui connaissent bien Disneyland, ici on a un petit truc, voilà, où y aller. Très sympathique. Donc voilà. Donc voilà, nous allons aller dans le parc tout simplement. Donc c'est parti. Donc on va entrer par l'entrée principale. Hop. Hop hop hop. Donc c'est parti, on va prendre un ticket. Donc pour prendre un ticket les amis, c'est simple, regardez, faut aller ici. Tu fais la file d'attente comme dans la vraie vie. Tu fais la file d'attente ici, voilà. Attendez le temps de zigzaguer un peu. Hop hop hop. Donc moi je gère un serveur Parc Island, mais je vais le refaire et vous allez voir, ça va annoncer du lourd. Donc hop, on prend notre ticket. Wow. Ouais. Ici, on prend notre ticket en appuyant sur la plaque de pression. Et puis, hop, on le jette ici. Et puis voilà. Bienvenue au parc. Bienvenue à Disneyland Paris. Donc c'est parti. Donc ici, voilà. Identique, les casiers et tout. Ici, là, c'est où on va prendre notre ticket pour avoir la carte de Disneyland Paris. Donc dites-moi en commentaire si à Disneyland Paris il y a les décors d'Halloween. En tout cas, ouais. Ici c'est le Main Street. Oh. Donc il y a des bâtiments qui sont verts, il y a des bâtiments qui sont fermés. Donc voilà, ouais, l'accueil, je pense, c'est tout. Donnez. Ok. Là c'est ici pour vous donner votre avis du serveur. Tout simplement. Donc c'est parti. Donc ici aussi je dois vous le montrer. Oh.
Photo, ok, ouais, ici c'est photo. Donc ici, si vous traversez ici de Havreby, vous pouvez aller plus vite où il y a château. Donc voilà. Oh voilà. Donc c'est parti, on va au château, château. Donc c'est parti. Donc là, nous traversons le Main Street, voilà, qui est ma foi plutôt bien décoré. Et puis voilà, là il y a le château qui est magnifique. Donc dites-moi en commentaire si vous pouvez refaire ce château. Moi personnellement, non, je pourrais pas. Donc voilà, ici là, nous avons le château. Donc là nous allons faire Discovery. Donc c'est parti. Donc voilà. Donc alors, dans cet épisode, nous allons faire comme attraction Hyper Space Mountain. Voilà, nous allons faire Buzz et nous allons faire Utopia. Donc voilà, on va commencer par Buzz éclair. Donc alors, la file d'attente, on va faire par là. Hop. On va faire par là. C'est parti, tac tac tac. Ouais, c'est parti, on est de l'attraction. Donc voilà, dans la première vie, c'est oui, s'il y a le buzz éclair, voilà. Donc dites-moi si c'est pour vous, ça vous fait penser à Disneyland Paris. Donc voilà, on pourra pas toucher comme dans la vraie vie, voilà, on n'a pas les droits, mais c'est cool quand même. C'est cool, c'est cool. Ça peut donner des idées, et puis c'est sympa à voir, je trouve, c'est sympa à voir. Donc voilà. Donc voilà, je trouve c'est sympa. Et hop, waouh, ah je me rappelle ici. Dites-moi si vous vous souvenez de cette scène pour ceux qui sont allés à Disneyland Paris. Et hop. Ah, Derbix c'est bien créatif. C'est tellement beau. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous trouvez ça beau. Moi franchement je trouve ça magnifique. Donc voilà, là ça va être buzz éclair qu'on aura fait. Voilà, déjà à la fin. Donc hop, on va aller vite ici. Et puis hop. Donc voilà. Nous avons fait buzz éclair. Donc dites-moi une note sur 10 pour buzz éclair. Et puis on va passer au suivant. Donc ouais, voilà. Donc voilà, toujours à la boutique des souvenirs. Tu connais, tu connais. Donc voilà, là nous pouvons voir Hyper Space Mountain. Bon, avant Hyper Space Mountain, il faut savoir qu'il s'appelait Space Mountain, tout simplement. Wow. Ok, moi c'était pas si que je voulais y aller. Oh, excusez-moi pour ceux qui voient la vidéo. Voilà. Ah, l'autre il hésitait. Voilà. Lui des papiers. Ouais, voilà. Donc ouais, nous allons faire le Space Mountain. Hop hop hop. Bon l'autre on l'a doublé. Parce que on est en vidéo, voilà, on est prioritaire. Donc voilà. Donc la file d'attente, honnêtement, elle ressemble à deux gouttes d'eau de la vraie vie. Franchement, c'est exactement pareil. Et puis là, normalement, on va monter, monter, et puis il y aura le truc en or là. Voilà. Exactement pareil. Et puis hop, on tourne, et on est arrivé. Voilà, et puis là, il y a Thunder. Voilà, Thunder, le créateur de la map. Et voilà.
Et c'est parti pour le Space Mountain. Waouh. 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 Et normalement, c'est parti. Allez, allez, c'est parti. Tan, tan. Voilà, là, vous imaginez. Bah, on n'est pas comme sur PC, on n'a pas la musique, mais voilà. Waouh, franchement, c'est beau. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez l'Hyperspace Mountain. Franchement, moi, j'adore. J'adore, j'adore. Waouh. C'est trop beau. Magnifique. Les décors, franchement, ils sont là. Tout est là. Après, Hyperspace Mountain, j'ai pas encore fait d'avis. Je vais le faire au mois de décembre, Hyperspace Mountain. Pour l'instant, j'ai pas encore l'occasion de le faire. Donc après, on verra si ça ressemble dans la vraie vie. Donc voilà. Oh, 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 oh. Waouh. C'est magnifique. Et puis là, normalement, c'est la fin. Il y a l'autre qui me suit derrière. Puis hop, ouais, c'est terminé. On va ressortir. Donc voilà. Ah, on va juste aller voir le Star Tour, s'il est ouvert ou pas. Sorti par là. Ah, bien sûr, ici, là, il y a nos photos. Ah, j'ai pas la même tête, mais... Donc voilà. Ah, oh, franchement, il est bien fait, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc voilà, ouais, ici là, nous avons le Star Tour. Voilà, ici nous avons le Star Tour. On va voir s'il est ouvert ou pas. Mais je pense pas qu'il est ouvert, honnêtement. Ouais, il est fermé. Et le Star Tour, il est fermé. Attendez, je vais voir. C'est pas là l'entrée ici, c'est l'entrée de la gare. Ouais, il est fermé, il est fermé. C'est dommage. Donc alors, après nous allons faire Utopia. Donc c'est parti, nous allons faire Utopia, Utopia. Donc voilà, ouais, l'entrée d'Utopia. Et puis c'est parti. Donc hop, à chaque fois j'ai l'habitude de faire ici la file d'attente. Ah, dommage que l'autre personne ne veut pas venir avec moi, comme ça on aurait fait une petite course. Ça serait sympa. Et puis hop, c'est parti pour Utopia. Donc voilà, ouais, hop. Bon, là, ici, là, pour cette attraction, on doit avancer à la main. Cette attraction dure plutôt longtemps, mais ça va dans l'ensemble, je trouve. Donc voilà. Donc ici, attends, j'étais toujours curieux de voir ce qu'il y a. Donc il y a des portes, tout simple. Donc vous pouvez profiter un peu des détails. Franchement, cette map, Thunder, il a géré pour les détails. C'est un truc de dingue. Il a géré, il a géré. Donc voilà. Ici nous avons le haut de la file d'attente. Bon, on va essayer d'aller un peu vite. Voilà. Donc franchement il a géré, hein, je trouve. Hein, il a géré. Ici là c'est le pont pour ressortir. Ici là c'est le péage quand on s'arrête. On attend un peu que les quais se vident. Ici là c'est un panneau de pub, normalement, si je m'en rappelle bien. Et puis là, tu vas aller un peu vers le derrière de l'hyperspace. Donc voilà. Et à un moment, le parcours de l'autre quai de voiture, de l'autre côté là, un peu plus loin, on n'a pas le même parcours en fait.
Donc voilà. Donc ici, voilà. Ici, moi j'aime bien faire par là. On a le pont. Ici, là, nous avons Thunder. Donc voilà. Oh. Petit accident. Hop. Donc voilà, le petit pont. Bien sympathique. Et là, normalement, on fait juste le haut et puis on est arrivé normalement. Encore un autre pont. Donc voilà. En haut, on dirait, on voit un peu le château ou l'hôtel. Bon, là, on descend plutôt vite. C'est cool. Et voilà, là, c'est où on se rejoint, les deux voitures et nous. Et puis là, je crois qu'on est arrivé. Là, on va juste passer le péage et puis on est arrivé. Donc voilà, c'était une attraction plutôt chouette. Ah non, on n'est même pas encore arrivé. Donc ouais, c'est pour vous dire que cette attraction dure longtemps, longtemps. Ah, dans la vraie vie, c'est sympathique, mais dans Minecraft, bof, voilà. C'était cool si on n'avait pas besoin de pousser le chariot. Voilà, donc ici, voilà, nous avons le péage. On s'arrête un peu des fois pour attendre que les véhicules y sortent un peu. Donc voilà, là on va sortir. Et puis off. Donc voilà. Donc voilà. On va s'arrêter un peu plus loin pour cette vidéo et puis on va se retrouver pour la partie 2. Donc voilà. Ici là, je me rappelle. Ici là derrière moi là c'est les toilettes. Donc voilà. On va se mettre ici. Donc voilà. C'était la partie 1, voilà. Donc on se retrouve bientôt pour la partie 2. Ciao ciao.